puissant, ô puits abondant, tu coules à flot dans notre cœur. Donne à l'âme languissante une nouvelle fraîcheur, fraîche rosée, descendez sur nos tous, ô divines ondes, et venez arroser nous. Ne laissons-nous rien d'aride qui ne soit fertilisé, que le cœur le plus avide soit pleinement arrosé. Fraîche rosée, descendez sur nos têtes, divines ondes, et venez arroser nous. Oui, que les déserts fleurissent sous tes bienfaisantes eaux, que les lieux secs revertissent et portent des fruits nouveaux. Fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondes, et venez à oser nous. Viens au salut, terre puie, Esprit de grâce et de paix, répands en nous une vie qui ne tarisse jamais. Fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondes, et venez arroser nous. La parole, mettez-nous debout et nous parlons ensemble avec nous le psaume 29. Après ça, pour nous capables de prier. Psaume 29. Nous parlons de grande gloire à l'Éternel, parce que l'Éternel lui-même est jaloux pour louange avec adoration. Que mon moment difficile, qu'il facile, il fait qui ça? Bam, louange. Et ouais, qui quantité miracle que bon Dieu pas nous, on est capable de faire. Psaume 29. Fils de Dieu, rendez à l'Éternel. Rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Posternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Il les fait bondir comme des veaux. Et le Liban et le Syrien comme des jeunes buffes. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Kadès. La voix de l'Éternel fait affronter les biches. Elle dépouille les forêts. Dans son palais, tout s'écrit gloire. L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Amen. Nous parlons, mettez-nous à genoux. Nous parlons, prier. Nous parlons, mon Dieu, puissant cet esprit. Nous parlons, mon Dieu, demander, mon Dieu, dans tout moment difficile, qu'on habitue à agir pour lui agir. Mettez la foi, nous chrétiens, parce que pas grand rien que mon Dieu lui-même n'est pas café. Jésus m'entend lorsque par la prière je vais à lui
sans crainte et sans effroi. Il veut toujours plaider devant son Père pour un pécheur repentant tel que moi. Et si parfois le ciel paraît derrière, je sais que mon Sauveur t'y vient. Au temps voulu me répondra. Éternel notre Dieu, roi des rois, seigneur des seigneurs, mais nous qui coubons bien bas devant face, nous venons invoquer puissance cet esprit. Nous venons demander ou pardon pour péché nous. Nous venons demander pour faire nous grâce. Nous venons demander que nous même sommes capables d'agir pour nous. Ça fait que nous content, nous pas gain baleine la plumée, nous pas gain signe de la croix que nous avons fait. Nous venons devant monde qui fait ciel la terre avec tout ça qui existait. Mais nous, Seigneur, qui courbe devant face, devant une croisade évangélique, côté que Seigneur, de pourtant de ces moments arrivés, ennemi en mauvais, li fâché, li grondé, mais ça seulement que nous connaissons. Ou dis-nous, avancer par la foi, c'est ça fait à soi que nous démarrer parce que nous connaissons ou que tu prends contrôle tout bagaille. Nous avons de prier, voyez cet esprit, ou, Seigneur. Voyez cet esprit ou pour assister nous. Voyez cet esprit pour faire ça que nous pas qu'à faire. Voyez cet esprit, Seigneur Jésus, parce que c'est l'autre à quoi l'autre te dit, ou pas nous travail pour nous faire. Moi, on connaît pas qu'à faire avec force nous, mais on a fait avec force cet esprit qu'on a quitté parmi nous. Nous comptons sur vous, nous croyons en vous, et nous sommes certains, tout le monde qui fait confiance, il n'y a pas de chambre du bataille. Nous levons pasteur, j'ai de misère devant face, qui vous mettez pour 3 semaines ça. N'a pas d'autre prix. Entrez dans le bocal. Même si on a un grain de maïs, entrez dans le bocal. Même les ennemis ont fini pour péquer. C'est un bocal à la péquer. Mais il n'y a pas de cas. Couvre-nous tout en entier. Seigneur, tout le monde qui te recevra une invitation, nous connaissons nous même capables de rappeler de sorte que nous sommes capables de juger nécessaire pour venir tendre le message ou capable de parler. Qui sait, c'est pas mon dernier message que vous avez attendu. Sauvez-nous par ta grâce. Nous croyons ou nous comptons sur vous, Seigneur. Nous ne pouvons pas passer, nous sommes juste. Et bien, nous le moment ça va passer là. Que cet esprit capable de branler. Et tout le monde qui vient là, j'ai été venu, il ne pas tourner comme ça. Entends, exauce, pardonne, béni, sauve. Nous te prions au nom de Jésus, lui qui vit, qui règne dès à présent et au siècle des siècles. Amen. 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 Rendez-vous à demain, si Dieu veut, 7h-10. Chers frères et sœurs, amis visiteurs, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Nous vous disons bienvenue, bienvenue ici à Sinaï et bienvenue aussi sur Zoom, plateforme ou bien sous quelle soit forme que ou là pour l'assister avec commencement croisade ça. Que mon Dieu bénisse et que le Saint-Esprit lui-même prend place la car ou quelle soit côtoyé. Et pour travailler, capable de faire ensemble pour nous avancer. Pour nous capables de débuter, nous allons chanter le numéro 290. Et puis ensuite, nous allons réciter et nous allons méditer sur le psaume 100. Et puis frère Edson Kado a fait une prière pour nous débuter. 290, dans les cieux et sur la terre. Nous capons nous chanter comme un seul homme dans les cieux et sur la terre. Il n'est aucun nom plus doux, aucun que mon cœur préfère. Au nom de Christ, soit pour nous, quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, que celui d'Emmanuel.
soit roi. De quel que l'encore le nom, Jésus est plus grand pour moi. Debout étant, ouvrons nos Bibles au psaume 100. Ensemble, poussez vers l'Éternel des cris de joie. Vous tous, habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Amen. Nous allons prier avec notre bien-aimé frère Edson Kado. On a gardé la même position. Dieu parfois saint, papa qui est dans le ciel là, que nous sommes capables de bénir ou exalter. Mais petit, nous devons assurer ça, en quête de la vérité. Nous devons capables de déverser la vérité ça, dans que chaque petit soit capable d'entendre. Et investir que tout le monde puisse être capable de venir entendre l'évangile dans l'église de Sinaï. Déjà, nous devons bénir la conférencière, bénir les dirigeants, bénir tous nos chers amis visiteurs. Ni ça qui a coûté nos soulignes, ni ça qui ensemble avec nous l'église là. Bénis-nous, mon Père. Dirige-nous, sanctifie-nous, programme-nous dans le mieux et nous déjà qu'on est programme réussi parce que nous ne connaissons pas jamais de bataille. Nous prions pour ça parce que nous voulons dire, au nom de notre fils Jésus, lui qui vit qui règne au siècle des siècles. Nous allons avoir un chant spécial avec la sœur Blaise. Elle est priée de s'avancer.
Jésus a vini. Si yon bagay tout moun dwe kone, ki dwe annonse, sou tout a la terre, yon mesaj ki dwe preche, sans exception, pou libere tout nom ki fatigue. On allez tout partout, portez nouvelle là dans toute nation, pour ne pas ni division. Nous devons jouer une solution pour n'échapper en bas tribulation. En aller tout partout, porter nouvelle là dans toute nation. Pour ne pas ni division, nous devons jouer une solution pour n'échapper en bas tribulation. Oui, faut que nous prêchions, c'est là que Jésus est passé pour nous baptiser. Non, non, papa, petite là, dans le quartier, dans tout le coin, dans le monde qu'on a platon, haïtien, américain, qui ben tout concerné. Oh, allez tout partout. Portez nouvelle là dans toute nation pour bannir division. Nous devons jouer une solution pour n'échapper en bas tribulation. En allez tout partout, portez nouvelle là dans toute nation. Nous devons jouer une solution pour n'échapper en bas tribulation. Tout haïtien concerné pour n'échapper en bas tribulation. Dominicain concerné pour n'échapper en bas tribulation. Toute nation yo concerné. En aller. Amen. Bien-aimé frère Marc Semio, amis visiteurs, la paix bon Dieu avec nous. La paix bon Dieu avec nous. Et si bon Dieu pas de bon pour nous aujourd'hui. S'il pas de bon pour nous, il est bon pour moi. Et comme petit chant dit, un petit chant créole qui dit, je vais mettre prendre toute l'eau sur la terre pour me servir comme plume. Je vais prendre tout bois et toute l'eau pour servir comme langue, tout bois pour servir comme plume. Nous t'apprends ciel là comme un cahier papier pour nous écrire ça, bon Dieu fait dans la vie nous, il va pas suffire. Ya oui? Bon Dieu bon, bon Dieu bon en pile pour nous. Et nous un message qu'a prêché jeudi là, c'est que Jésus-Christ pas loin pour venir. Comme dit nous matin, ça fait longtemps le minimum moins 5, je dis à nous raconte qu'il l'a fait. Avait dit pas qu'à moins 5 encore. Et nous dit avec chaque visiteur qui est présent parmi nous à Choya, bienvenue. Bienvenue la caille bon Dieu ou la caille ou. Pas de meilleur côté où tu es capable de y aller dans le moment ça.
Et si on monte à du bon meilleur côté, dis non, c'est pas vrai. Parce que ça qui passe dans le monde, là, je dis, c'est un jour à la fois. Chaque jour où vous vivez, vous levez, vous êtes au coucher, et vous levez dans le matin, vous êtes supposé lever. Lorsque vous levez, vous levez deux mains pour dire béni soit l'Éternel. Oui? Oui, bon Dieu, bon. Et à chaque visiteur qui vient là, nous faisons ça, nous faisons ça chaque soir. Nous gagnons une surprise pour vous. Puis, grosse surprise, nous gagnons pour vous. Peut-être, nous ne connaissons pas sous gain Bible ça déjà. Nous gagnons un gros Bible comme ça pour vous. C'est pour visiteurs Bible ça. Et nous croyons un visiteur qui est brave et qui aime les paroles, il a gagné Bible ça. Visiteur qui fréquente plus quoi ça. Là, pendant toutes trois semaines, Bible ça, c'est lui qui a gagné. Oui, j'en le facile. Et surtout, le roi vini, où est l'on ami, dit-il. Gagnon source de l'eau qui a coulé en dans l'église Sinaï dans mais on vient m'a participe dans mon participer tout. Est-ce qu'elle pas facile? Il facile. Donc Bible ça ouais là nous pas bon prix, li vend cher mais nous ta remon gagnon. Et pour même l'église lui-même qui invite en pile monde et l'ont invité mon yo fait nous connaît s'il vous plaît et surtout les monde vini. Et nous gagnon Bible expliqué pour vous. Matin, nous te dit nous gagnons la Bible expliquée pour vous. Et nous gagnons une préparation pour la crise finale avec un foyer chrétien. On peut le cadeau, oui. On Bible expliquée, on préparation pour la crise finale, un foyer chrétien, il en pile. Donc, c'est pour vous lier. Donc, faire en mesure que vous prenez cadeau ça. Et nous souvent fois nous parlons mais les visiteurs vont aller et puis ils ont pas gagné crash on s'y souvenir rien même non mais notamment et reconnaître visiteurs dans l'assemblée font un petit mettez nous debout s'il vous plaît pour nous capables quitter aller avec un petit souvenir pas grand visiteur qui brave passé amen donc ou plus rien mais français ou bien anglais comment ça est. Vous voyez un problème? Ou plus à l'aise en français? Français. Ok. Nous gagnons un petit bouclette, un bel petit livre. Sous comment c'est le livre ça? C'est presque résumé la Bible. Le titre est Quand Dieu dit, souviens-toi. Quand Dieu dit, souviens-toi. Bon Dieu parlait, songez. Et je ne sais pas si vous avez parlé des 10 commandements. C'est ce quatrième commandement. Nous avons un monde passé dans l'assemblée pour le faire jeune pour nous suivre. Pas de l'autre visiteur encore. Pas de l'autre visiteur encore parmi nous. Pas de visiteur qui brave, qui t'a aimé camper pour faire connaissance avec nous. Ok, pas de l'autre. Et nous, nous sommes à Choya parce que semble non seulement où c'est premier visiteur et nous parlons de l'autre. Et nous allons aller en pile d'air. Et surtout, l'arrivée la caillou. Relé 11 amis, en famille, en compagnon de travail, dit gagnon. Bon programme en dans Sinaï, pas rater programme ça. Et nous autres frères et sœurs qui dans la foi, qui t'ai invité au monde. Pas oublier relé monde rappeler, li ka blier. Relé avant venir dans l'après-midi, rappeler monde, pas oublier programme là non. Et venir dans programme là. Li important pour nous faire, moi-même m'a faire ou même m'a faire nous tous n'a faire ensemble. Et reste là dans mes bon Dieu. Et nous souhaitons que nous passions une bonne adoration, une bonne participation. Que mon Dieu bénisse nous. Bonsoir tout le monde. Nous sommes contents de nous asseoir. Amen. Nous, juste avant que nous introduisions pasteur, et nous le battons un petit bravo pour les servantes là qui visitent nous asseoir. En premier. Amen. Nous battons un petit bravo.
et servante nous qui mène nos amis avec tout n'a baron ti bravo volé. Amen, amen. Nous disons bon Dieu merci parce que à Soya nous gagnons et chance et privilège pour que nous capables tendre paroles bon Dieu. Nous connaît que prédicateur nous lié abondant et pas vrai? Et il y a un pile bagaille dans Jacout li pour nous. Et juste avant que nous introduisions et nous connaissons lik pour chanter chanter mais n'a demandé ancien Azema capable de chanter pour nous deux chants à la gloire de Dieu avec sœur. Que le Seigneur vous bénisse. Nous chantons dans le numéro 271, Miséricorde insondable. Dieu peut-il te pardonner à absoudre un si grand coupable et mes péchés oubliés? Vous nous chantons, si vous rapprochez pour nous, tout ça est miséricorde insondable. Peut-il te pardonner à souverain si grand coupable et ma péché oublié? Au 50, chantons ensemble. Chantez à toute voix, nous, bah, bon Dieu, louange et gloire que le mérite. Amen. Amen. Number 50. Chantons, chantons sans cesse la bonté du Seigneur. Il est saint, allez,
ciel. Nous avons un sauveur, nous avons un sauveur. Oh, pour la délivrance, Dieu n'est plus irrité. Il pardonne aux coupables. Votre vie est vendue. Vous portez nos forfaits. Vous portez nos forfaits. Vous portez notre paix. Vous aidez notre paix. Jésus est présenté. Jésus est présenté. Père pour le ceci, nous levons les yeux, nous rencontrons la grâce d'un sauveur glorieux. Il est notre avocat, il est notre avocat. Pour le ciel, il combat, pour le ciel, il combat. Toujours victorieux, toujours victorieux. Vous dirigez la croix de tout, c'est racheté par le Père et l'Empire, c'est céleste parmi. Saint-Esprit nous conduit, Saint-Esprit nous conduit, sa grâce nous inspire, sa grâce nous inspire. Place au prédicateur de ce soir. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, chers amis, bonsoir. Frères et sœurs, bonsoir. Que la grâce et la paix du Seigneur vous soient multipliées au nom de Jésus. Combien de monde qui comprend la crainte, bon Dieu, à soi. Sous content, on dit merci, Seigneur. Sous content, on dit gloire à Dieu. Sous content, on dit béni soit l'Éternel. Sous content, on dit alléluia. 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 David dit, je me sens de la joie. Quand on me dit allons à la maison de l'Éternel, mieux vaut un jour de la maison de l'Éternel que mille. Je préfère habiter sous les tentes de la maison de l'Éternel que de vivre sous les tentes de la méchanceté. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ici démarre une grande campagne d'évangélisation ayant pour thème combien de monde qui sont les thèmes campagne là. Vous va recevoir. Yo, mon frère, did you receive a flyer? Sommes-nous prêts pour la crise finale? Allons dire ensemble, sommes-nous prêts pour la crise? Combien de monde qui admettent que nous vivons les derniers temps de l'histoire de ce monde? Combien de monde qui croit que Jésus va venir très bientôt? Et combien de monde qui croit, ouais, bah ouais, faisons avec Jésus à la gloire de Dieu? Ainsi donc, frères et sœurs, chers amis, nous louons le Seigneur pour le privilège de proclamer le message des trois anges. Et chaque soir, on a bon petit exercice que nous fait. Avant même que nous commençions à prêcher, ensemble, nous avons fait la Bible nous et nous avons demandé technologie pour M. Lufel pour dans l'Apocalypse 14, versets 6 à 12. Chaque soir,
Apocalypse 14, 6 à 12. Et la demande de technologie pour faire rapidement là pour nous. Et c'est ce message que nous prêchons durant les 3 semaines à la gloire de Dieu. Le message des 3 anges. Est-ce qu'on croit que c'est le dernier message, frères et sœurs? Le message des 3 anges. Apocalypse 14. Ou même visiteur, ou même ami sur les ondes, ami sur la toile, ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, amis téléspectateurs, vous avez une Bible auprès de vous, là où vous êtes, eh bien, ou même cap coûter nous sur la voie des ondes, ou même cap coûter nous, dans les youtubeurs, m'a invité pour capable faire une Bible ensemble avec moi. Et ce texte, chaque soir, a démarré le service, avant même que nous capables entamer, le moment d'intercession, et entonner le chantème de la campagne. Apocalypse 14, les versets 6 à 12. L'apôtre Jean, exilé sur l'île de Patmos, dit ceci. Nous lisons ensemble. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Verset 8, un autre, un second ange suivit en disant, elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Et une autre, un troisième ange, l'a suivi en disant d'une voix forte, ensemble, si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les 16 anges et devant l'agneau, et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Maintenant, qui monde qui va adorer la bête et son image? Verset 12, c'est ici là persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Disons amen. Disons amen. Disons amen. Moun qui pape fléchi devant bête là. Moun qui pape mettre à genoux devant bête là. Moun qui pape faire baisser bas devant bête là. C'est moun qui garde les commandements de Dieu, qui gagne la foi de Jésus. Et nous disons amen. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, comment ça habitue à exercice là? Et me suis avant que par là, il y a moun qui a promis ça par cœur au nom de Jésus. Bah ouais? Alors, bien-aimés frères et sœurs, sans tarder, nous allons passer à notre moment d'intercession. Combien de monde qui croit la prière fait route côté qui pas route? Ah, nous n'allons pas croire, non? Combien de monde qui croit la prière fait route côté qui pas route? Est-ce que la prière qu'on fait malade guérie? Est-ce que la prière qu'on fait si monde qui parle respecter mon Dieu, respecter mon Dieu? Est-ce que la prière qu'on réunit maison qui divisée? Est-ce que la prière qu'on permette que l'opération faite sans couteau au nom de Jésus? Est-ce que la prière qu'on fait qu'on soigne l'ennui pour nos malades? Et puis docteur Jésus vini l'ennui de l'an, et puis libre sérum céleste là. Est-ce que quoi ça l'église? C'est la raison pour laquelle ce soir, nous allons entonner le chant du contexte. Que technologie après le voyez pour nous? Quand le mal t'assaille. Subtil, c'est le chant que nous retenons pour le moment ou la prière d'intercession. Quand le mal t'assaille. Et pendant que n'a pas le prier, n'a pas chanté, make sure que vous avez un morceau papier ou écrit requête pour déposer. Je ne sais pas s'il y a une boîte. Il y a une boîte. On met la boîte juste par devant. Son co-expérience. Auditeurs des ondes, amis, téléspectateurs, même sous la caille côté, il y a les youtubeurs, ceux qui nous voient sur les réseaux sociaux, ou capables
lever requête devant l'Éternel. Requête maladie, peut-être que mon enfant a fait attention, qui est diabétique. Est-ce que docteur Jésus est capable de guérir? Il y avait Rapha. Yahvé Rapha signifie l'Éternel qui te guérit. Jesus is the best healer ever. Yes. Nous allons chanter. Fais bon Dieu confiance. Et pendant que nous avons chanté, soit fait, on va venir déposer requête. Ou pas besoin de peur. Dis Jésus tout bagaille. Quel que soit le problème ou gagnant, écris secrètement parce que Jésus a le pouvoir pour lire son écrit. On va dire amen. Même si nous ne pas qu'à ouel Jésus Kalil. Et nous allons chanter avec foi. Quand le matin saille, Jésus, il est caché. Dans une miraille, devant le péché. Sans cesse,
chanceux, au Christ mon berger. Au Christ mon berger. Cherchez l'appui du mal. Cherchez l'appui du mal. Mais oui, tu te mets. Alors tu pourras être. Cherche la vie du maître, cherche la vie du maître. Souviens-toi de ton maître, alors tu pourras être. Cherche la vie du maître, cherche la vie du maître. Souviens-toi de ton maître. Cherche la vie du maître, cherche la vie du maître. Avancez devant, sous vos maladies, avancez par la foi. Guérison a fini, docteur Jésus le salut. Chantez, chantez, mon nom est ensemble, chantez. Cherche la vie du maître, cherche la vie du maître. Si vos maladies, annoncez par la foi. Cherchez, cherchez. Cherchez la vie du maître, ça va même. Cherchez la vie du maître. N'appelez-moi, je dois lâcher ça ensemble. Achetez-vous. Cherchez la vie du maître, ensemble. Cherchez la vie du maître. Sois l'éternel. Et sois l'éternel. On nous dit merci Seigneur. Merci Seigneur. Si tu es guéri par la foi, dis merci Seigneur. Merci Seigneur. Si tu vois Satan perdu bataille, dis merci Seigneur. Merci Seigneur. Si tu vois ouin par ouin, c'est pour crier victoire, dis merci Seigneur. Merci Seigneur. Si tu vois Alléluia, il est puissant, dis merci Seigneur. Merci Seigneur. Si tu vois Timoun, ça y est pour qu'il ait la calabre, servir mon Dieu, dis merci Seigneur. Merci Seigneur. Si tu vois Jésus a réuni Canaan encore, dis merci Seigneur. Merci Seigneur. Si tu vois magie, ça a fini à soi, dis merci Seigneur. Merci Seigneur. Si tu vois roche la brûlé, dis merci Seigneur. Merci Seigneur. Si tu vois Jéricho se tomber, dis merci Seigneur. Merci Seigneur. Si tu vois Satan perdu bataille, dis merci Seigneur. Merci Seigneur. Si tu vois serpent, ça va y avoir victoire sur nous, dis merci Seigneur. Merci Seigneur. Si tu vois pas donner en paix à soi au nom de Jésus, dis merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh yes. Rocher de délivrance. Ou même qui fait route côté pas de route. Ou même qui trace chemin côté pas de chemin. Parce que nous connaissons l'elfe noir, l'elfe noir, c'est jour pour jour au nom de Jésus. Dans le moment ça, m'a pleuvé de mon tendre père, tes enfants. Tes enfants de partout. Que ceci là, les youtubeurs, si là que les réseaux sociaux, si là qui sur les autres, et si là qui en donne, l'église s'il y a. Tout le même doigt dans la blondie, c'est Jésus qui est tout puissant. Le même doigt dans la blondie, Satan perd du bataille. Le même doigt dans la blondie, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a châtié. L'Éternel m'a châtié. L'Éternel m'a châtié. Mais il ne m'a pas livré à la mort. Voici la porte de Sinaï. J'entrerai. Je louerai l'Éternel. C'est pas elle contre les justes. Je te loue parce que tu m'as exaucé. Parce que tu m'as sauvé. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. C'est ici la soirée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel, mon cher.
exerce main, main au combat, main droit à la bataille. C'est dans le sentiment l'esprit de mon salle qui ne doit mourir autant. Mais Jésus-Christ, c'est ce que là. Et c'est mon seul secteur qu'on crase. Ou crase plusieurs secteurs. Il y a des gens qui mourir déjà. Zot a gardé au sous-côté. Mais Zot a eu pour vous. Zot dit pas pitié. Oui, nous pas pitié. Ça a été nous plus fort que ça qui avait. Vous. En vérité, nous fiers de vous. Nous fiers de vous. Parce que pas que pareil. Yes. Les mouns, j'ai tenu, ils nous pas jamais. Oh, yes. Et pour restaurer nous. Alléluia. Vous mettez nous camper. Zot fait saisissement. Là, il pourrait être verveine. Parce que c'est de fini déjà. Yes. Mais nous fleuri au nom de Jésus. Yeah. Nous pibes au nom de Jésus. Yeah. Parce que mon tap veut dans ces projets. Yes. Là, on parle toute la terre fait silence. Mm-hmm. Et ça que nous adorons à soi. Seigneur, si il y a un monde qui est malade, il n'y a pas de cap médical. C'est Jésus qui est. À ce grand monde qui est malade, même s'il y a un cadre médical, mais c'est Jésus qui a mal guérison. C'est un monde qui nous salue à la soie. Sous un cabicha était fini. Mais heureusement, le berger d'Israël ne sommeille ni ne dort celui qui garde ses enfants. C'est un monde qui nous salue là, qui est entré dans la salle opération, pas de sortie. Mais il sortit au nom de Jésus. Parce que docteur Israël n'a pas jamais dormi. C'est dans les mouquins de salle là, qui doit chever en tête. Il ne va pas à qui aller. Il ne va pas à qui crier. Mais heureusement, plus le mal est pressant, plus la misère est grande, plus l'abîme est profond, et bien sous mes pas, plus le péril extrême, un bon secours demande, plus je me réfugie au Jésus dans tes bras. Trop souvent j'ai mis au mur. Quand la route est obscure, oh ma foi faiblira. Et pourtant la promesse est là pour ma faiblesse. L'Éternel pourvoira. C'est le Dieu qui nous salue là. C'est par la foi à vivre. J'ai perdu le travail. Mais à vivre quand même. Il n'y a pas qu'à dormir tellement qu'il y a un problème. Même quand Jésus a le pouvoir pour faire dormir jour que jour au nom de Jésus. Parce qu'en vérité, Seigneur, j'en joue tant que l'armée qui a veillé, qui aime pas sauter. Satan m'est fâché, God l'homme m'est descendu, mais mon cap veillé, Sinaïa, c'est l'éternel. Là, on parlait toute la terre en silence. Et ça fait adorer à soi. C'est un visiteur qui vient là. Jésus mène là pour une guérison. Jésus mène là pour un miracle. Et au nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, pour le nom de Jésus-Christ, c'est pour ceux qui délivrent à la gloire de l'Éternel. Pour tout le monde dit, mes amis, madame, ça, nous ne pouvons pas côté de brancher. Nous ne pouvons pas brancher dans la lumière rouge. Nous ne pouvons pas brancher dans la toile rouge. Nous ne pouvons pas brancher dans le tracé vert. Nous ne pouvons pas brancher dans le bon corps. Mais nous sommes branchés dans Jésus-Christ de Nazareth. Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes droits à la bataille. Seigneur, je vais prier pour toute maman qui est dans la salle. Je dis à cause de tout le monde qui vient faire sucre, qui vient faire tension. Parce que tout le monde fait des choix que maman ne va pas voler. Seigneur, je vais prier pour la société. Côté garçon, remet à garçon. Côté fille, remet à fille. Fille placée à fille. Garçon placé à garçon. Seigneur, je vais prier pour moi-même. Et nous avons pitié de nous qui sommes là. Guéri qui est dans l'université. Guéri qui est dans le collège. Viens en venir à bas un conseil. Même pour un seul bagaille. L'homme m'a prié pour Dieu t'aider. C'est pour être ça à soi. M'a pleuré devant tout moment de petit. Que c'est ça qui est dans le cas de ça qui est. Que ça qui est dans la zone aller avec eux. Que c'est ça qui commence à prendre l'ordre. Mais quand Jésus, qu'on restaure la vie monde. Yes. Tu es le restaurateur des brèches. Yes. C'est dans le vidéo avec assurance à soi. Que prier à monter, que grâce à descendre. Si vous êtes fibom, docteur Jésus, soyez fibom pour nous. Si vous êtes tension, docteur Jésus, nous comprimer dans le ciel là.
Si vous avez un kidney, docteur Jésus, traversez dans ça là. Traversez moi, traversez madame, yo, traversez Timounio. Pas nous comprimer comme besoin. Parce que dit le psaume 127, tu en donnes à tes bien-aimés. Pendant leur sommeil. Écoute, exauce, pardonne, parce que le monde qui vient là, il a besoin de libérer. Ils ont vendu longtemps devant mon corps. Ils ont vendu devant mon cimetière. Ils ont pris sous vêtements. Ils ont pris sous cette ligne. Ils ont pris sous les. Ils allaient loin avec eux. Même content pour me dire au nom de Jésus, je ne mourrai pas. Je vivrai. J'accomplirai les œuvres de l'Éternel. Je le mets, je vais à la montagne. D'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux. C'est même senti que tu as béni, sois éternel. C'est même senti mon corps qui démarre, qui pète à soi, au nom de Jésus. Je senti mon corps qui démarre, mon chaîne, mon roche qui roule, ta tempête qui bataille, au nom de Jésus. Alléluia. Écoute, exauce et pardonne. Soulage, guéris et transforme. Nous comptons sur toi. Nous te bénissons. Nous te chérissons. Nous te baisons au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Pour le nom de Jésus. Toi et rien que toi seul. Qui vit dans l'immensité de ceux qui habitent une lumière inaccessible. Qui est assis un petit peu plus haut que l'infini. Toi qui vis, qui demeure. Au siècle des siècles. Amen. 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 Besoin Jésus. C'est ça que moi connais. Ma point ami, quand l'île m'a triste. Besoin Jésus. Moi bien content. Ça prend directement, pas de parce que. Balancez-moi, besoin de Jésus, besoin. Besoin Jésus. Besoin. Sous besoin, balancez-moi, sous besoin, balancez-moi. Besoin Jésus. Tu n'es pas. Chantez, chantez. Chantez nous, faites quoi, on t'a livré déjà. One more time, besoin Jésus. Besoin Jésus. C'est ça qui est mon connaît. Non point sans mi qu'on lit la notre tristesse. Yes. Oh, 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 moi bien content admet les hommes capotés, fado yo, besoin. Bah, c'est bien. Moi besoin Jésus. M'attendez-vous, rien n'est triste. C'est pourquoi Jésus dit bien, les gars. Besoin de soleil, besoin de la mort,
dit matin que me pour mettre un cadeau à visiteur. Donc visiteur qui là sera bien cadeau, je vais présenter un morceau instrumental pour dire bienvenue à tout visiteur. Donc mon père pianiste capable ensemble avec elle. Elle canne serviteur bon Dieu. Nous connaissons. OK, c'est une bagonne ma pour l'autre. Puis bon, ça m'a mis c'est Jésus. Tu comprends ça? Oh, bah, bi. On n'a pas compris, parce que c'est professionnel. Moi, nous sommes les bons bâillons. Donc, ce chant fera plaisir à tous les visiteurs. Que c'est moi qui lance YouTubeur, réseaux sociaux. Donc, c'est juste pour me capable de welcome dans Sinaï à la gloire de Dieu. Sur la terre. Je dis sorti dans Babylone, il a donné s'il a été écrit ici et là, terre dans mes actions. Ou même visiteur, chant ça, c'est lui-même qui marche à texte, nous libre pour commencer. C'est le ministère des trois anges. Son chant qui est lié, il est belle, même sous pas qu'on aime. On chaque soir, la prête comme un souvenir de la campagne à la gloire de Dieu. Excusez-moi, je suis de l'eau en pile, pas vrai? Trois anges annoncés, tout le monde sur la terre, l'homme est sorti, sorti pour t'arrêter dans Babylone. Trois anges annoncés, tout le monde sur la terre, sorti,
ange qui t'a volé au ciel pour nous annoncer l'évangile de l'éternel, de l'éternel. Apogenté, prenant vision, toi ange qui t'a crié des fois pour nous annoncer l'évangile. Trois anges annoncés, everybody. Trois anges annoncés, annoncés, tout le monde sur la terre. Dans les sentiers, sortis à être en Babylone. Trois anges annoncés, trois anges annoncés, annoncés, tout le monde sur la terre. Sorti par être en Babylone, il a levé, il a levé, s'il a quitté, s'écrié, Salatéa, Noméa, à ce joyau, il a levé. Si la pitié c'est que je la tiens, on est là, un souverain. Dieu capte-toi, mon Dieu, pour la question. La troisième couplet, coup châtiment, comme les lions, sur tout le monde qui prend ma bête là, je va périr. Va périr, bon Dieu, voilà qui sur la terre, comme châtiment, comme lion, sur tout le monde qui prend ma bête. Yo va perdu, yo va perdu, trois anges annoncés, everybody, trois anges annoncés, annoncés, tout le monde sous la terre, sous la terre. Sorti par été, trois anges annoncés, trois anges annoncés, tout le monde sous la terre, sorti par été, parmi moi en Babylone, il a adoré, il a adoré. Notre Dieu, vous invitez nous à adorer parce que digne de gloire. Nous n'avons pas vieux roi à adorer en bas de l'eau. Nous n'avons pas vieux esprit à adorer dans le ciel. Jésus est digne d'adoration. You are worthy to be praised and we are the poor to belong to you and to worship your word. Your name is Yahweh Rapha, le Dieu qui guérit. Il y a un misère, le Dieu qui combat.
Satan fâché, c'est vrai, mais victoire là pour nous au nom de Jésus. Amen. Écoute, exauce et pardonne. Nous te bénissons au nom de Jésus. Amen. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, notre message ce soir est très important. Tout d'abord, ma foi connaît que pendant 3 semaines, ça, nous avons développé un livre très difficile, le livre de l'Apocalypse. On est déjà à Ménis. J'ai la raison pour laquelle ce soir, nous voulons, par un message pour titre, deux prophètes, un même message. Qui titre lit? Deux prophètes, un même message. Qui est-ce qui écrit Apocalypse? Tout le monde comme ça. Hein? Ou par contre, qui écrit livre Apocalypse là? L'apôtre Jean. Qui est-ce qui écrit livre Daniel là? C'est Daniel, le prophète Daniel. Attendez bien. Qui dit c'est là? Deux prophètes, eux-mêmes. Nous vivons qu'on est assuré, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, que Apocalypse et Daniel ont constitué un seul livre. Dont le premier tome est Daniel. Et le second tome Apocalypse. D'abord, on parlait de Daniel. Qui mon Daniel vient? Mon Daniel la même signifie Dieu a jugé ou Dieu est mon juge. Ça donne un signifie? Dieu a jugé ou Dieu est mon juge. Et mesdames, mesdemoiselles et messieurs, par contre, pour qui raison, monsieur Guénon, ça? Parce que Daniel fait en l'année 623 avant Jésus-Christ. Par contre, si on fait examen, parce qu'il va pourquoi il est toujours un petit test chaque soir. Et me promettre nous ça, à la fin de grand là, tout le monde qui croit dans le message des trois anges, là, qui prend vérité et qui endoctriné dans le baptême ou le baptême, il y a bon certificat à la gloire de Dieu. Tenez bien. Daniel fait en l'année 623 avant Jésus-Christ. L'on lit parole de mon Dieu dans Daniel, chapitre, alors m'a dit texte, mais je faut trouver, si bien, si technologie a pour tirer le premier texte, et bien, on a get back. Dans Daniel, chapitre 1er, dans Daniel, le chapitre 1er, mais qui ça la Bible dit-nous de Daniel? Daniel, le chapitre 1er, nous lisons à partir du verset 1er jusqu'au verset 7. Une très belle histoire. Daniel, qui écrit le livre Daniel là? Nous devons connaître qui moune, parce que si nous allons étudier un livre, il faut nous donner qui moune, parce que bon Dieu n'a pas choisi n'importe qui. Dis amen, l'église. Non. Daniel 1er, verset 1, non, ça, nous lisons ensemble. La troisième année, alors, je crois que la technologie va le vouer pour nous, mais en attendant, l'heure nous fait la guerre. Il faut envoyer nous aller au plus tard à 9h05. Et me respecter l'heure. Parce que nous avons besoin de demain soir. Amen. Amen. La troisième année, nous lisons ensemble. La troisième année du règne de Joachim, roi de Juda. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et la siégea. Verset 2. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Chinéar, de la maison de son Dieu. Il les mit, qui compte l'église, de la maison du trésor de son Dieu. Verset 3, technologie. Le roi donna l'ordre à Aspenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques jeunes des enfants d'Israël. Qui reste Daniel sorti? De race royale et de famille? Non. Verset 4. De jeunes garçons sans défaut, corporels, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service
ils ont gradué. C'est ça que ça veut dire. Il y avait parmi eux d'entre les enfants de Judas, on vous dit ensemble, d'abord Daniel, ensuite Anania, Michel et combien il y a en tout 4. Daniel, Anania, Mishaël, Azaria, verset 7. Le chef des eunuques leur donna des noms. Comment est le Daniel? À celui de Daniel, à Daniel celui de Belshazzar, hein? À Anania celui de Shadrach, à Mishaël celui de Meshach, et à Azaria celui d'Abednego. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, entendons-nous. C'est ça qu'on va appeler diaspora. On a saisi. Parce qu'il y a plein de monde qui est fier pour dire que c'est diaspora. Mais diaspora pour une fierté. Parce que diaspora signifie dispersion. Allô? Et diaspora pour un nom anglais, son mot grec lié, qui est intégré dans le vocabulaire anglais. Est-ce que c'est la même? Donc, un monde qui est diaspora, son monde qui est dispersé. Nous, Haïtiens, nous sommes des diasporas. Cependant, bien que dispersés, bon Dieu bénit nous ici, nous disons amen, frères et sœurs. Donc, ces 4 hommes sont les diasporas. Diaspora, aller des portes, c'est quand autre, c'est avion, mais les ailes ou dispersés, ou qui te payent. Ça me souligne avec nous à soi, c'est que, monsieur Sayo, la troisième année, nous retournons au verset premier, c'est la troisième année du règne de Joachim, roi de Juda. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et la siégea. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, si nous voulons faire un aspect chronologique, c'est-à-dire chronostant, logos, étude du temps, nous retrouvons en l'année 605 avant Jésus-Christ. C'est la troisième année selon la manière babylonienne pour dater, pour faire calendrier. Et c'est l'époque ça, qui voit qui était là, et on est Joachim. Joachim, c'est petit Josias. Joachim était régné lors du premier sac de Jérusalem par Nebuchadnezzar. Mais Nebuchadnezzar, la Bible ne parle pas, il est Nabopolassar. Et zami moi, bon Dieu permet de vous garder ça entrer. Elle parle pour tes monsieur ça. Première application après. Même le déporté ou côté ou aller ou à la toute bénédiction. Amen en fait. Vous pas comprendre ça me là. Son peuple qui est en captivité, il est la captivité babylonienne. Mais le bon Dieu choisit ou bénédiction collée sur vous. Amen, non, frère. Peut-être que vous avez dit là, Joseph est en prison, mais il est béni. Ce n'est pas contre toi qu'il est béni. Il y a un monde qui doit gagner l'argent, il doit béni. Alors, ça c'est très paradoxal. Parce que la Bible dit, si les messieurs croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est mon être. Et t'as dit, je dois gagner l'argent, je ne suis pas béni. Et je ne dois pas gagner l'argent béni. Amen, frère. Parce que bénédiction, mon Dieu, n'est pas synonyme d'argent. Waouh. Ou qui doit avoir moyen pour vivre mon béni. Donc, Daniel, Anania, Michel, Azaria, a quitté qui pays sous la veine. Il a quitté Jérusalem. Jérusalem qui capitale Juda. Qui dit, on va aller. Le pays Babi. Et on va le faire 1200 km à marcher à pied. Mais pendant que l'on route là, passer trail là, bon Dieu est bougé pour vous. Combien de monde là, bon Dieu est bougé pour lui? Si vous êtes bougé pour nous dire alléluia, frères et sœurs. Monsieur, ça va pas arriver à Babylone. Arriver à Babylone, premièrement, ça va pas faire. Il va changer. Non. Ce n'est pas changement de nom qui change comme. Nom qui a changé, mais comme pour Jésus. Ou qui doit citizen dans le pays, mais comme pour Jésus. Jean t'a servi bon Dieu en Haïti, ou qui a servi comme ça ici. Amen, en fait. Parce que bon Dieu, par contre, patrie, bon Dieu a été un seul bon Dieu pour la terre entière.
Ou même pas relé Daniel. Yo relé Daniel, non signifie Dieu est mon juge. God is my judge. Yo pas relé Daniel Belshazzar. Ma beauté soit notée, Esaïe 46, notée Mbablil. Ou après belle son divinité babylonienne. Vous l'avez? Nous connaissons tout le monde qui est préfixe et qui est suffixe, c'est pas ça? Préfixe c'est la première partie, non? Suffixe c'est la deuxième partie. Monsieur changé ton Daniel, yo bal un nom babylonien ou bien un nom chaldéen, c'est même bail là. Pour qui ça vous fait? Ou à faire pour que divinité a influencer l'esprit du garçon. Monsieur le Guizal. Il y a pile moun en Haïti gon petit. Nous yon bal la se non diable di bali. Moun sa m'a diable. Parce que c'est diable ça, moun m'a observé. Li di wap fè un tel wap brele kon sa. Vous tendons se y de vie non en Haïti, ou m'a de kote non sa soti. C'est diable la bal l'ol pou balil. Mais maman qui doit faire une famille idolâtre, les boys ont vieux non, ils ont vieux diabai, mon innocent baronne. Mais si c'est bon Dieu qui a conduit, non ça va gagner pouvoir sur vous. Au nom de Jésus. Bel son divinité babylonienne. Et nous comptons ça, non Daniel signifie qu'on y a, signifie belle protège ma vie. Pas oublier non. Littéralement, Daniel qui signifie ça? Dieu, il faut nous prendre tout. Dieu est mon juge. Comment est-ce qu'on y a? Belcha signifie belle divinité. Ah oui? Faux Dieu, ah oui? Protège ma vie. Oh, c'est bon Dieu qui protège la vie. Vieux roi, maman, observe, pas à protéger. Il y a un deuxième, on est Michael ou Michael. Il signifie qui est semblable à Dieu? Who is like God? Comment vient-il, Meshach? Ce qui signifie qui est à coup, son divinité encore. Bah, Satan. Gagnons Anania. Anania signifie l'éternel est bienveillant. Belle bagaille. Donc, Yahweh is good. Il y a Shadrach qui signifie ordre royal d'Akou. Divinité babylonienne. Gagnons le Azaria qui signifie l'éternel est mon soutien. Yorel, qui yorel? Yorel, Abed, Nego. Mais ma djougon erreur en dans la Bible là. Dieu a parlé Nego. Dieu a parlé Nebo. M'bon texte ça, Isaïe 46. Ou abjouen ni Bel, ni Nebo. Nebo, c'est divinité ça. Et ou abjouen nan pile ou à Babylone. Ou abjouen ne commence par un préfixe de divinité. Exemple. Nebuchadnezzar, là pour dire ça, ouais, Nebuchadnezzar c'est toujours Nebuchadnezzar. Nabopolassar c'est Nebuchadnezzar parce que monsieur Sayo, il y aurait l'air d'après divinité absolument. Donc, des bilans sur le devil. Mais moi-même, ensemble avant, we belong to God. Même si on va non vie, non, mais puissant mon Dieu, protégez-vous ou pas servir moi, c'est Jésus qui a servi. Si Amen, dis Amen. Il y aurait l'air Abednego signifie serviteur de Nebo. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ça dépend, oui. Daniel, ou même nous image la technologie, Daniel a quitté le pays. Quand est-ce qu'il fait encore? Jérusalem, tribu de Judas. Qui a-t-il fait encore? 623 avant Jésus. Donc, les Daniel pour aller en Babylone, il y a environ 18 ans. Daniel arrivé là-bas, il est déporté. Bon Dieu fait mettre ramette l'école, il était beau le visage, mais Daniel sorti d'une famille noble. Moi même ensemble avec même si nous c'est haïtien, nous sommes d'une famille noble parce que Jésus c'est roi. Papa nous fait bien, papa nous juge. Combien on a qui presse au nom de Jésus? Parce que papa nous c'est le roi des rois, amen frères et sœurs bien-aimés. Daniel pral grandi, il pral l'école, dans l'école Daniel pral il a fait astrologie, nous connaissons astronomie, astrologie. L'astronomie est la loi des astres, mais l'astrologie c'est l'étude des astres pour tirer des présages. Exemple, on me dit Capricorne, on me dit Sagittaire, ça c'est astrologie. Mon cap servi bon Dieu par la donne. On va la donner l'église. On va la donner parce
parce que destiné c'est le bon Dieu. Comment on destiné c'est le bon Dieu lié à destiné c'est le bon Dieu lié. Daniel étudié, Daniel intelligent, et le regard des livres Daniel là, Daniel gradué avec mention magna summa cum laude. Donc on s'en dit, Daniel qui joue tape. Là, le bon Dieu met mes sous petit tout bénil. Les plus intelligents que mon Américain blanche en pays. Amen, nos frères. Petit haïtien à Blanc-Réa sous mon Américain blanche qui va ici. Parce que bon Dieu, on va aller mettre sous les diables, amen, frères et sœurs. Bon Dieu, ballon intelligence. Bon Dieu, ballon cerveau. C'est peut-être ça, mon fier, bon Dieu. Pas servir diable, servir l'éternel dans l'armée. Mais qu'en est-il de Jean? Nous sommes nous Daniel. Qui l'a fait encore? 620 ans avant Jésus-Christ. Qui est enterré encore? Daniel. Ça, Daniel signifie Dieu est mort. Juste. Qui n'a venu les frères et sœurs? Je viens de l'île belle. Qu'est-ce qui fait belle chasseur? Belle protège ma vie. Non, Daniel, frères et sœurs, chers amis, il grandit, il n'est pas influencé, il était connecté à bon Dieu jusqu'à la blanche vieillesse. Dis amen, frères et sœurs. Et bon Dieu choisit, il balit le don d'être pauvre. Prophète. Et c'est Daniel qui va écrire le livre de Daniel dans Babylone. Donc Daniel écrit le livre là, l'on paye qui va payer. Mais qu'en est-il de Jean? Lisez rapidement avec moi Apocalypse le chapitre 1er. Apocalypse le chapitre 1er. Verset 1er, il a dit Revelation chapter 1 verse 1. Révélation, c'est déjà là. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son nom à son serviteur. Donc son révélation est 5 étapes. Premièrement, Dieu donne à qui? Donc, notre gars, lui, Dieu donne à qui monde? À Jésus, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné. Il parle en ordre croissant. Donc Dieu donne à Jésus. Qui mon Jésus par lui? Non, regardez ça, il n'y a pas un autre croissant. Il n'y a pas un Jean et puis un ange dans le texte là. Jésus par lui à un ange. Ange dans le à Jean. Et qui mission Jean? Apocalypse chapitre 1er, verset 9. Apocalypse chapitre 1er, verset 9 et 10, nous lisons rapidement. Apocalypse 1er, verset 9 et 10, nous lisons, moi Jean, votre frère, qui est pas avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île, comment il allait? Appelé Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Et j'ai entendu derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre, collaborez-le, et envoie-le au cette église qui a choisi Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et je dis à bon Dieu, vous voulez pour Sinaï. Bon Dieu, amen, frère et sœur. On fait récapitulation. Révélation, qui est-ce qui bat Jésus? Dieu, son Père. Qui est Jésus Bali? Un ange, ça veut dire toi. Qui est ange de Bali? L'apôtre. Et qui est-ce l'apôtre Jean voulait le bail? Sept églises. Donc, okay, Dieu donne à Jésus. Jésus donne à l'ange. L'ange donne à l'apôtre Jean. L'apôtre Jean écrit, mais ça, il a que le jeune de mon Dieu. Et vous la comme église. Comment est l'église? Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et puis on nous ajoute Sinaï. Dis amen l'église. Tenez bien. Zamim, lié pour tout mon Dieu, que bon Dieu choisit mon niveau. Pas surtout humilié si ou pas arriver loin l'école. Bon Dieu, grand plan pour vous. Pas surtout humilié si anglais ou pas normal. Bon Dieu, grand plan pour vous. Bon Dieu, gen plan pour tout petit li. Et les siens, frères et sœurs, chers amis, Jean, pas
sorti dans une grande famille. Daniel sorti dans une famille noble. Non, mais nous ne suivons pas pour finir. Nous avons fait récapitulation et synthèse. Jean pas sorti dans une grande famille. Daniel sorti dans une famille non royale. Daniel signifie Dieu est mon juge. Le nom de Jean signifie Dieu pardonne. Besoin, vous prenez note. Son bel séminaire a fait chaque soir. Qui ça Daniel signifie Dieu est mon juge. Qui ça Jean signifie Dieu pardonne. Là qui famille Daniel sorti une famille non famille wa ya. Et Jean côté sorti nous pas peut dans le texte mais Jean papa le relé Zébédé. Maman le relé Salomé, la Bible dans le livre de Matthieu. Qui mettait papa Jean, maman Jean? On a lu ça dans l'évangile. Qui mettait eux? Pêcheur, il y a pêcheur, il y a pêcheur. Pêcheur de quoi? Poisson. En Haïti, le monde pêche poisson. Dans qui classe lié? Le high one? Qui est le middle one? The last one. D'ailleurs, le monde qui pêche poisson, il sent poisson. Malheureux, merci bien aimé. Donc, au monde qui sent poisson, avec un monde qui est dans la famille noble, est-ce que Rachita même côté dans la société ça? Et pourtant, bon Dieu montre que Jean a pêché poisson, Daniel, famille noble, bon Dieu utilise tous les deux pour un seul livre là. Ou pour la même. Daniel écrit Daniel, Jean écrit l'Apocalypse. Et l'Apocalypse et Daniel sont deux prophéties jumelles. Dis amen, l'église. Une sont prophéties, l'autre là sont révélations. Daniel est une prophétie, l'Apocalypse est une révélation. Dis amen, l'église. Ça a été un problème dans l'église, ça. Quel monde c'est Daniel? Le niveau scolaire arrivé. Quel monde c'est Jean? Mais nul enfant n'est trop petit pour la haute étroite. Si de sublime langage, tu n'as pas reçu le don, tu peux rendre témoignage que Jésus est le pardon. À ton frère, tu peux dire ce que Jésus a fait pour toi. Dis amen. Ça a été un problème. Bon Dieu utilisait un homme de famille royale, pas bien ça. Daniel était tellement intelligent. Nebuchadnezzar était le roi du plus grand pire du monde, l'empire babylonien. Nous connaissons Daniel, c'était numéro 2 dans l'empire là. Allô? Allô? Qui est-ce qui est numéro 2 dans l'empire américain? Voilà! Dis-le plus. Et nous ajoutons son blacklist. Va dire amen. Va dire amen pour l'idée. Un homme dit amen parce que bon Dieu le vit nous habiller. Il m'a profité du pas passer pour Dieu pour finir clair. Rete à couleur bon Dieu voilà. Parce que les gens mélanine la même que blanc pas gagner. Si dit amen, dit amen. Donc Daniel tenue au Dieu, l'empire Babylone qui était le premier empire du monde qui dirigeait le monde de 605 avant Jésus-Christ à 5, au 12 octobre 609 après Jésus-Christ. Daniel, un adventiste du 7e jour, sous permettre de mon Dieu, parce qu'il tape dans l'autorité numéro 2. Mon homme qui déporté, qui vit numéro 2 dans le pays étranger. Vous ne comprenez pas, non? Comme si ce sont haïtiens qui vit deuxième en Amérique. Mais ça, bon Dieu, qu'a fait? Alors que bon Dieu parle pour Jean, pêcheur de poisson, il fait l'écrit l'évangile de Jean, première épître de Jean, deuxième épître de Jean, troisième épître de Jean et l'Apocalypse de Jean. Mais ça, bon Dieu a fait. Ça aide à comprendre l'église est une assemblée hétérogène. Et pas ça? Il y a tout type de monde l'église. Il y a des gens qui connaît, il y a des gens qui ne connaît, il y a des gens qui parlent à l'enfer Malaga, il y a des gens qui sont scolaires, il y a des gens qui ont master degree, il y a des gens qui ont bachelor, il y a des gens qui ont PhD, ou la même voie, c'est une assemblée hétérogène. Cependant, au pied du Seigneur, nous sommes nivelés. Amen, nos faibles. Au pied du Seigneur, nous sommes nivelés. Et mon bonne nouvelle pour vous, quel que soit l'angle qui a parlé sur la terre, très bientôt, lorsque Christ reviendra, la barrière linguistique tombera à un seul langue pour tout l'univers. Si amen, dis amen. Parce que Satan là déjà, dans la tour de Babel, t'es un seul langue. De l'époque de l'Éden, la création, jusqu'à la tour de Babel,
y a plus de 3000 langues qui sont passées, la tête est en seule langue. Et puis avec tout de Babel, il y a plusieurs langues. Lorsque Christ vient, on a retourné le seul langue. On appelle ça un chiasme. Même événement commencé à la finir. C'est pour cette phrase, même Dieu a soya. Nous allons étudier. Moun qui écrit, il n'y a pas même trop intellectuel. Il n'y a pas même trop intellectuel. Il n'y a pas même trop académique. Mais nous servons bon Dieu qui veut mon pied bas, qui veut le pied haut. Là, nous allons dire, côté le passé, c'est bon Dieu qui veut ça. Dit béni soit l'Éternel. C'est mieux ce soir. Comprenez que Dieu est Dieu. Tout au cours de ce mois, on a eu le privilège pour étudier ces deux hommes. Daniel écrit dans l'Ancien Testament et l'apôtre Jean dans le Nouveau Testament. Apocalypse, il y a plein d'événements pour le faire. Et Daniel et Jean, ils m'ont connu ensemble. Ils ont enchevêtré. Apocalypse, il y a de la bête. Apocalypse, il y a l'Armageddon. Apocalypse, il y a les sept sceaux de Dieu. Apocalypse, il y a les sept fléaux de l'Apocalypse. Daniel présente aussi la Rome. Il présente l'Empire romain. Il présente l'Empire babylonien. Il présente l'Empire méno-persan. Il présente l'Empire grec. Donc, sans même l'étudier l'Isaïe, le Saint-Esprit est de comprendre que nous sommes à la fin des temps. Et que, Dieu est là pour nous capter, mon Dieu. Mais Dieu, avant d'aller, pas oublier. La Bible a tout type de monde. Ou bien roi, ou bien gouverneur, ou bien pêcheur de poissons. Ou bien échanson, ou bien tout type de monde. Cependant, quel que soit le niveau de monde, la parole vient de Dieu. Pas humilier mon église. Parce que bon Dieu fait ça lui. Ma bonne deux exemples, un exemple avant de finir. Jean et Pierre, c'est pêcheurs poissons. L'homme étant 12 disciples, Jésus était une base prière. Samedi là, l'homme étant 12 noms, Jésus était une base prière. Pierre, Jacques et Jean. L'homme regarde tous les trois, monsieur, ça, ils n'ont pas intellectuel. Non? Mais, il y a des moyens. Des fois, c'est pas eux qui écrit, c'est moi qui écrit. Mais l'essentiel, bon Dieu prend tous 12 monsieur, les mettez dans l'école, pendant 3 ans et demi, et les instruit, monsieur. Parce que Jésus fait 3 ans et demi sur la terre, il instruit, monsieur. Ça a aidé à me comprendre pendant ce séminaire, ça là, Jésus a pesté. Il n'y a pas ou pas connaît ou pas le connaît. Pas j'oublie ça. La prière par l'instruction. Ou qui doit prier, mon pas instruit. Mais là, lit la Bible. Ou tu veux pas qu'on a l'enfer, ma langue, il y a un peu de temps. Parce qu'on trouve tout dans la Bible, frères et sœurs. Monsieur Sayo, Pierre, Jean, Jacques, je parle araméen. Mais en araméen, même j'ai un monde qui parle en vieux créole en tête monde. Mais le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit était été déversé. Jean parlait araméen, tout le monde entendait la langue paille. On appelle ça la xénoglossie. Donc, l'observer bon Dieu, l'homme est entré en communion avec Dieu. Bon Dieu fait bagaille, moun saisi. Mais invite-toi à se servir bon Dieu. Mais vite toi sur la prendre décision pour avoir une communion avec mon Dieu. Parce que de la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève les gens. Pour les faire asseoir avec les grands de son. Pour me terminer, Abdou, Daniel mourit en paisible vieillesse à Babylone. L'apôtre Jean mourit en paisible vieillesse à Éphèse. Daniel écrit dans un pays étranger. L'Apocalypse écrit dans un pays à Patmos. Est-ce que nous sommes parallèle qui est monsieur? Et tandis que destiné pour asseoir par contre, ou par contre, quand on peut aller, ou par contre, soit entrer dans la carrière asseoir, même vous voulez dire, mais je suis connecté à bon Dieu, trop niveau en vas-y, à mes frères et sœurs. Alors, ce que nous avons terminé, l'Apocalypse dit que grand pifle, on va tomber. Il y a un monde qui a est-ce que le plaque a tombé? Il y a un bagage non sain, il y a un mettre sous le monde, qu'on y a un bagage la terrible, il y a Covid, il y a une maladie. Mais l'Apocalypse dit, ça c'est trois quêtes là. Très bientôt, mon qui gagne marque de la bête là. Il pas capable bien acheter. S'il pas gagne marque de la bête, il pas capable bien acheter ni vendre. Mais mon qui prend marque de la bête là tout. Là pas acheter plus un petit temps après pas gagne plein Apocalypse il va tomber sous lui. Même bonne nouvelle pour vous. Bon diable vous corbeau. Pour te manger là. Est-ce que bon Dieu ça déjà? Est-ce que bon Dieu ça déjà?
Pendant que tu es là, ou pas prendre de la bête, et puis bon Dieu, vous voyez comme vous. Qui est-ce que tu as ça pour finir avant? Bon Dieu va vous, et comme vous, non mais en moi. Bon Dieu va vous, et comme vous, non mais en moi. Même si la pluie part à tomber, même si pied bois, il pas bâché, même si la guerre t'a lavé, j'ai tout côté. Moi, j'ai espoir, bon Dieu, va venir. Comme moi, mon maison, moi, mon Dieu, l'amour, j'ai comme vous, mon maison, moi, mon Dieu, l'amour, j'ai comme vous, mon maison, moi, même si la vie t'a tombé, même si pied bois, y'a pas ton main, même si la guerre t'a là-bas, j'ai tout côté. Moi, j'ai espoir, bon Dieu, va manger. Pour ma maison, moi, espérer. Moins espéré, bon Dieu, va voyer, que vous moins assurance, oh, moins assurance, bon Dieu, va voyer, que vous pardonnez, moins confiance, oh, moins confiance, bon Dieu, va voyer, que vous. Mon maison, oh, moins gué assurance, bon Dieu, va voyer, comme moi, mon maison, et un divin histoire éternel. Recevons la bénédiction, notre Seigneur, notre Dieu. Bon Dieu, avouez corbeau, pas vous pour nous. Apocalypse dit nous pas capable nous pas capable très bientôt. Plein pral tomber sur la terre. Sur monde qui prend marque bête là. Mais bon Dieu a voulu corps pour te manger à nous. Ou te faire pour lui auprès du trône de Kérit, les corbeaux apportaient de la nourriture pour lui et Eli buvait l'eau du torrent. Ou te font nommer pour Israël. Ou te la guerre mal se tombe dans le ciel. Même bon Dieu Israël là, c'est bon Dieu nous assurer à tout. C'est le gamin qui va dans la salle là, qui va la caillou. Il va travailler. Vous avez quoi pour te manger là, au Seigneur? Il va monter machine, diable à mauvais. Il mauvais. Parce qu'avant de venir, il fait petit me faire opération à l'hôpital. Madame Manso tombe, il va le casser en pile dégâts. Parce qu'il connaît qui met ça, il va le bailler. Même quand même dit pas peur, parce que mon Dieu m'a vivant pour l'éternité. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je conquérir les œuvres de l'éternel. L'éternel m'a châtié. Et bien donné que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, que l'amour du grand Dieu le Père, que la noce commune du Saint-Esprit soit demeure sur chaque personne. Sur les auditeurs, sur les youtubeurs qui nous suivent sur les réseaux sociaux. À toi la gloire pour l'éternité maintenant et au siècle des siècles. Allez en paix et que le Seigneur vous bénisse, mes soeurs. Demain soir, si Dieu veut, maintenant, nous allons aller à l'heure, faire qu'on compte au nom de Jésus. Menez aux amis, téléphonez aux amis et m'a demandé pour Steve pour toujours là. Les gens pour aller, il faut aller avec un chant. M'a voulu nous aller à un petit chant à ce soir, et moi je vais aller à un petit chant. Toucher le Seigneur pendant la passion, ou allonger-moi.
allonge ma toucher le Seigneur pendant la passée. Allonge ma toucher le Seigneur pendant la passée. Ou même qui t'a gagné problème, allonge ma toucher le Seigneur pendant la passée. Allonge ma toucher le Seigneur pendant la passée. Ou même qui t'es malade, allonge ma toucher le Seigneur